tous et bienvenue dans cette nouvelle session. Je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Chérine Mouamadi, en charge des applications chez Microsoft France. Et je suis aujourd'hui accompagnée par Bassem Assé, qui est VP IME chez GitHub. Nous sommes ravis de faire cette session avec vous. Nous allons avoir 30 minutes ensemble pour vous présenter en quoi en fait, les équipes de développement aujourd'hui sont au cœur de votre processus de transformation numérique. Donc, je commence un petit peu par vous présenter l'état du marché aujourd'hui. Vous le savez, on l'a tous vécu, on y est tous encore un petit peu. On est aujourd'hui dans un environnement et dans un contexte de crise, ou en tout cas dans une période aujourd'hui un peu plus de transition, mais où fondamentalement on voit que des choses ont changé et que beaucoup de choses continuent aujourd'hui à changer aussi pour les entreprises. Et ce qu'on peut aujourd'hui voir, après ces quelques mois que nous avons vécu, c'est que intimement, aujourd'hui, la stratégie digitale des entreprises et la performance business des entreprises est foncièrement liée à leur stratégie applicative et à leur stratégie digitale. Effectivement, on l'a vu pendant cette période et encore aujourd'hui, les plateformes digitales ont été pour souvent l'unique vecteur de communication et de lien avec vos clients, également avec vos employés en interne, mais surtout avec vos clients, et que ce soit à travers vos applications internes, vos applications externes ou vos sites web. Ces plateformes digitales ont souvent été l'unique moyen pour vous de pouvoir garder la relation avec vos clients et de pouvoir continuer à leur fournir de la valeur et des services malgré la période que nous avons vécue. Et de ce fait, on voit que de plus en plus, la stratégie digitale et le fait de repenser en fait le parcours client de vos clients et le parcours client digital de manière générale devient un enjeu prioritaire pour les entreprises. Et une fois ce constat posé, on voit qu'il y a des enjeux technologiques aussi qui sont liés à cet enjeu business, qui repose principalement sur deux éléments, et on le voit à travers cette étude que je vous ai illustrée sur cette slide. En fait, les deux piliers aujourd'hui sur lesquels les business leaders vont vraiment se concentrer vont être, pour une première partie, la gestion de la donnée et comment est-ce qu'on peut libérer tout le potentiel de vos données pour pouvoir les réinjecter en fait dans vos analyses business, et également la stratégie applicative et de manière simplifiée, comment est-ce que vous pouvez automatiser aujourd'hui le processus de création d'applications pour que la création de valeur que vous proposez aujourd'hui sur le marché puisse suivre le rythme business auquel vous aujourd'hui vous êtes confronté et qui a un rythme qui va bien entendu toujours de plus en plus vite. Une fois ce constat posé, nous chez Microsoft, on a creusé un petit peu plus loin le sujet et l'idée était vraiment d'essayer de comprendre un petit peu plus en quoi ce process applicatif et en quoi notamment vos équipes de développement rentrent dans le débat quand on parle de transformation numérique. Et pour ça, on a mené une étude avec McKinsey sur 6 mois, elle est sortie il y a un mois maintenant, qui essaie de mettre un petit peu en relief le rapport entre les équipes de développement aujourd'hui et la transformation numérique des entreprises. Donc cette étude est une étude internationale qu'on a menée à travers une dizaine de pays, dans plus de 440 organisations. On a eu l'occasion et l'opportunité de parler avec plus de 100 experts du marché et de leaders de sujets pour réussir en fait à mettre en avant qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le developer velocity, donc le fait d'avoir des équipes de développement qui ont les outils qu'il faut pour travailler, des méthodologies de travail agiles, qui peuvent travailler avec une culture agile au sein de l'entreprise, ces équipes de développement vont vraiment contribuer à accélérer la création de valeur des entreprises et à accélérer en fait la transformation numérique des entreprises. Donc à travers cette étude, on a été capable de mettre en corrélation le développeur Velocity avec votre business Velocity. Quand vos équipes de développement aujourd'hui fonctionnent de manière opérationnelle, effective et productive, votre business s'en porte forcément amélioré et accéléré. On a beaucoup de données à travers cette étude. J'ai voulu vous en illustrer deux ici. On a pu voir à travers en fait, cette étude qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont dans le haut du podium en termes de vélocité de leurs équipes de développement sont également des entreprises qui ont 4 à 5 fois de croissance accrue comparée à d'autres entreprises qui ont une moindre vélocité et ont également un rythme d'innovation plus important de 55%. Alors, ce qu'on appelle la croissance en termes de revenus, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte dans l'étude. On a la marge d'exploitation, la rentabilité de l'entreprise, le taux des actions.
plusieurs critères qui nous font atterrir sur ce constat. Et ce qu'on appelle l'innovation, c'est plusieurs critères également. Comment est-ce que les entreprises aujourd'hui sont capables de créer des services innovants ou d'injecter de l'innovation, de l'intelligence artificielle, d'exploiter leurs data au sein de leurs services. La perception de la marque également est un critère important. La satisfaction des clients et également la rétention, l'acquisition et la rétention des talents sont également des critères qui sont rentrés en compte à travers cette étude. Donc on peut vraiment dire aujourd'hui que c'est important de bien travailler et de bien comprendre comment fonctionnent les équipes de développement pour pouvoir accélérer son rythme business. Et donc on a pu de cette étude ressortir 5 tendances et 5 enjeux principaux qui vont vous aider justement à créer cet environnement propice au développement au sein de vos entreprises. Le premier constat qui est celui qui nous paraît tous un peu plus naturel est celui des outils. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable d'offrir à vos équipes de développement des outils avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, avec lesquels ils se sentent familiers, avec lesquels ils peuvent être productifs et également attirer de ce fait les meilleurs talents au sein de vos entreprises qui auront du coup envie de s'y investir. Le deuxième pilier, qui est un des piliers importants, c'est également l'open source. Bassem vous en parlera aussi un petit peu en seconde partie de cette présentation. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de prendre la culture open source sur le marché et l'utiliser à l'interne et au sein même de l'entreprise va être un facteur vraiment différenciant pour vous. De pouvoir créer cette culture de l'agile, du collaboratif, de la transparence pour que vos équipes de développement puissent se sentir suffisamment en confiance pour travailler ensemble et pour réellement pouvoir libérer tout leur potentiel créatif. Le troisième pilier, bien entendu, l'adoption du cloud et du cloud public. On le sait, c'est un facteur différenciant majeur pour vous permettre d'aller utiliser tous les bénéfices du cloud et de pouvoir utiliser toute l'élasticité et toute la scalabilité que vous offre le cloud aujourd'hui pour pouvoir pérenniser votre activité va être un facteur différenciant. Quatrième facteur, et vous l'avez peut-être vu revenir très souvent, notamment dans cette période que nous venons de vivre, l'adoption du low-code, no-code, ou de ce que nous, on appelle chez nous la partie citizen developer, et la manière que vous allez avoir aujourd'hui d'intégrer en fait les profils métiers dans ce processus de création d'entreprise, de création de valeur, pardon, pour les faire aussi contribuer à la création d'applications ou de process métiers facilement exploitables et de ce fait à la fois libérer la charge de travail des développeurs qui vont eux pouvoir se concentrer peut-être sur des projets qui nécessitent plus de technicité et à la fois impliquer les métiers également dans ce processus de création d'innovation. Donc toute cette partie de citizen developer est réellement une tendance et un facteur différenciant qui va vous aider à accélérer la transformation numérique de votre entreprise. Et enfin, bien entendu, quand on parle de transformation numérique, on parle de services innovants. Et de ce fait, tout ce qui va intégrer l'intelligence artificielle, le machine learning, le fait de pouvoir vraiment exploiter tout le potentiel de vos données et d'injecter ça au service d'une meilleure personnalisation du parcours client vont être des facteurs qui, de facto, vont pouvoir vous permettre de vous démarquer également de la concurrence. Et donc, fort de cette étude, nous en avons créé un assessment. Donc aujourd'hui, c'est un questionnaire qui est disponible en ligne. Vous pouvez aller sur le site qui est présent sur cette slide. Il faut compter 15 à 20 minutes pour en fait pouvoir aller assesser vous-même quel est le niveau de développeur Vélocity au sein de votre entreprise. Est-ce que vos équipes travaillent avec les bons outils? Est-ce qu'ils se sentent assez en confiance? Est-ce qu'ils travaillent avec les bonnes méthodologies agiles? Pouvoir un petit peu voir où se situe aujourd'hui votre entreprise sur ces différentes thématiques-là et de pouvoir également en ressortir des insights et des recommandations pour pouvoir améliorer cet index et vous benchmarker également par rapport du coup à votre concurrence et au secteur d'activité sur lequel vous exercez. Donc ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que tout l'enjeu aujourd'hui va être d'augmenter la vélocité, le potentiel créatif de vos développeurs qui vont se baser sur ces trois piliers qu'on peut schématiser ici. Comment est-ce qu'on va leur permettre d'être productifs avec les bons outils du marché? Comment est-ce qu'on va leur permettre de travailler avec les bonnes méthodologies agiles et collaboratives? Et enfin, comment est-ce qu'on va leur permettre de créer des services innovants en intégrant les meilleures technologies aujourd'hui du marché pour ce faire? Et donc, la vélocité de vos développeurs, en fait, c'est la vélocité de votre business aujourd'hui. Ces piliers-là sont essentiels pour vous si vous voulez reprendre un rythme de business que vous avez peut-être connu avant la période dans laquelle nous sommes encore et pouvoir accélérer ce rythme qui est toujours de plus en plus croissant.
Et bien entendu, nous chez Microsoft, c'est notre expertise que de pouvoir vous accompagner sur ces différents sujets avec notre expertise, nos services, notre accompagnement, que ce soit en termes d'outils. On a beaucoup d'outils qui aujourd'hui sont plébiscités par le marché et tout à fait légitimes auprès des populations de développeurs, tels des environnements de développement Visual Studio ou encore notre offre PaaS avec le Cloud Azure, qui va réellement permettre à vos équipes de développement de se concentrer sur la création de code et de ne pas avoir à se soucier des sous-couches sous-jacentes et de l'outillage, comme on le dit communément, mais de vraiment pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier et ce pourquoi vous les avez recrutés. La partie low-code, no-code, on en parlait aussi à travers cette étude avec Power Apps, qui va vraiment vous permettre d'aller embarquer vos équipes business aussi dans ce processus de création d'innovation. Et enfin, GitHub. GitHub, Bassem vous en parlera bien plus que moi, mais GitHub, c'est plus qu'un simple outil aujourd'hui. GitHub, c'est vraiment la maison des développeurs. C'est le réseau social des développeurs. Il y a plus de 51 millions de développeurs aujourd'hui sur la plateforme qui sont là, pas uniquement pour créer du code, mais pour échanger, pour partager leurs best practices, pour travailler ensemble, pour s'aider et pour contribuer à ce processus de création de valeur dans un environnement qui leur est familier et familial. Et de ce fait, je passe la main à Bassem qui va pouvoir creuser un petit peu plus les différents pendants que je vous ai abordés au travers de cette étude et comment GitHub peut vous aider à accélérer la transformation numérique. Bassem, je te passe la main. Merci. Et donc, si on peut passer à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, GitHub, c'est, Chérine, tu disais que c'était la maison des développeurs. Et en fait, c'est la maison des développeurs dans la mesure où on a aujourd'hui 51 millions de développeurs dans le monde qui utilisent GitHub quotidiennement, soit pour leurs projets dans le monde de l'open source, ils contribuent à des logiciels open source, dans des communautés open source qui existent dans le monde, soit pour leur usage quotidien dans une logique professionnelle. Et donc, c'est ce qu'on fait au travers d'un certain nombre d'outils et d'applications que GitHub permet. On pense tout de suite, quand on pense logiciel, à des choses extrêmement high-tech, extrêmement innovantes, extrêmement orientées software, parfois même business to consumer. Et en fait, en réalité, un de nos clients qu'on apprécie le plus, c'est John Deere. John Deere est un fabricant de matériel dans le secteur de l'agriculture. Donc, c'est un matériel typiquement comme le tracteur que vous voyez ici. Et en fait, cette slide vous montre la personne qui s'occupe du tracteur, mais qui en réalité gère à travers du software un certain nombre de fonctionnalités que ce tracteur est capable de faire. Et donc, vous voyez que le développement software, c'est quelque chose qui concerne l'IT, qui concerne les secteurs très innovants, mais qui concerne aussi tous les secteurs de l'économie. Et typiquement ici, avec John Deere, un certain nombre de fonctionnalités qui permettent notamment de prendre en compte et d'analyser l'état du sol, qui permettent de prendre en compte les données qui viennent des gens et des ingénieurs en agronomie. Et donc, ça permet à chacun de pouvoir prendre le meilleur des logiciels pour pouvoir effectuer son métier, quel que soit ce métier. Et donc, c'est quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus vite, d'améliorer la productivité à la fois des travailleurs, mais aussi la productivité de la machine. Là, en l'occurrence, c'est le tracteur lui-même dont la productivité est améliorée. Tout ça grâce au software. Donc, lorsqu'on dit que le logiciel est partout, que le logiciel mange le monde, eh bien, en fait, c'est vrai qu'on pense souvent à notre frigo, à notre voiture, à notre montre, mais on peut aussi penser à ces tracteurs, à ces machines, quel que soit notre secteur d'activité. Le logiciel peut aider à améliorer à la fois le service rendu au client, mais donc par conséquent, la valeur créée dans l'entreprise. À partir de là, on peut, dans la slide suivante, voir que ces 51 millions de développeurs, ce sont les gens qui vont nous permettre de pouvoir tirer profit de leur expérience, de leur développement, de leurs bonnes pratiques, de leur façon de faire, mais aussi du logiciel qu'ils produisent. Et en réalité, 51 millions de développeurs dans le monde, si on compare ça à 7 milliards d'humains, on voit qu'il y a encore une marge de progression énorme, et c'est ce sur quoi travaille GitHub au quotidien, pour pouvoir apporter à ces 51 millions de développeurs et à tous les autres qui vont suivre, des générations qui viennent, leur apporter les outils qui leur permettent d'améliorer leur productivité, les outils qui permettent d'améliorer leurs compétences, d'améliorer les talents dont ils disposent, et puis d'améliorer la sécurité des développements qu'ils effectuent. Alors évidemment, quand on pense GitHub, on pense plutôt au monde de l'open source, communauté de logiciels libres, mais en réalité, dans le monde de l'entreprise, GitHub est aussi utilisé d'abord pour améliorer la productivité des développeurs dans les entreprises, que ce soit une PME ou que ce soit un grand groupe, on a pris un exemple tout à l'heure, que ce soit également améliorer la capacité des entreprises à attirer les talents
et à les retenir, à les maintenir au sein de l'entreprise, puisque évidemment, il est très difficile de recruter des bons développeurs. Il est tout aussi difficile de réussir à les garder au sein même de l'entreprise qui les a employés. Donc là aussi, GitHub aide dans cette optique-là, puisque avec GitHub, le développeur va utiliser les outils qu'il a l'habitude d'utiliser chez lui dans ses projets open source. Et bien, dans l'entreprise aussi, il va pouvoir utiliser les mêmes outils, les mêmes méthodes, la même culture. Et ça, naturellement, ça va à la fois l'attirer et ça va aussi le retenir. Donc, en tant que marque employeur, c'est tout aussi important. Et puis, on parle également de la sécurité et de la compliance, puisqu'en fait, lorsqu'on parle sécurité, souvent, on pense à la sécurité en bout de chaîne, c'est-à-dire au moment où l'application est mise en production, l'application est disponible, eh bien, on la sécurise. On y sécurise l'accès, la gestion des droits, etc. Mais en réalité, quand on pense à la sécurité, comme tout, plus on est en amont, mieux c'est. Donc, plus on est en amont du processus de développement de logiciel, mieux on garantit la sécurité du logiciel à partir du moment où on le conçoit, le moment où on écrit le code, le moment où on rend ce code disponible à tous les utilisateurs. Eh bien, si la sécurité et la question de la sécurité est prise en compte le plus en amont possible, le résultat est nécessairement meilleur. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail dans la slide suivante, on voit que lorsque GitHub propose aux développeurs de pouvoir travailler, eh bien, en fait, ça signifie qu'ils vont écrire du code. Et écrire du code, la plupart du temps, aujourd'hui, ce n'est pas juste un développeur face à son ordinateur en train d'écrire un bout de code dont il est le seul responsable. La plupart du temps, c'est du travail collaboratif. Ce sont plusieurs développeurs qui travaillent ensemble, des hommes et des femmes qui ont des compétences, qui ont des talents, qui sont parfois différenciés. Et donc, chacun apporte sa contribution à l'écriture du composant logiciel sur lequel il travaille à plusieurs. Et c'est aussi ça qui améliore la qualité du logiciel qui est produit. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, eh bien, vous pouvez commettre des erreurs. Si vous êtes plusieurs, vous réduisez votre capacité à commettre des erreurs, à condition que les outils et que la culture de l'entreprise permettent à ces développeurs de travailler ensemble pour produire un meilleur code et donc, par conséquent, de meilleures applications en bout de chaîne. Donc, c'est ce que GitHub permet. En premier, c'est notre cœur de métier, on va dire, notre métier historique, de permettre aux développeurs d'écrire le code et de pouvoir le partager entre eux, de pouvoir chacun faire les améliorations et les modifications et les corrections d'anomalies qu'ils souhaitent faire, et donc mettre en commun ce code et ces efforts qui ont été faits par les hommes et les femmes qui écrivent le code. Sur la slide suivante, on met l'accent un peu plus sur l'automatisation, puisqu'en réalité, comme dans tous les métiers, il y a un certain nombre de tâches qui peuvent être automatisées. Et en automatisant les tâches, ça signifie que le développeur se concentre sur ce qui ne peut pas être automatisé. Et naturellement, ce sont les choses qui créent le plus de valeur. Tout ce qui ne peut pas être automatisé, c'est là où la création de valeur se fait réellement. Donc, si vous partez d'un développeur qui va prendre en compte un certain nombre de tâches, il les connaît, il sait qu'il va les reproduire plein de fois dans une journée, eh bien, plus il automatise, plus il gagne du temps. Donc naturellement, lorsqu'on dit qu'on écrit du code ensemble et on met en commun au travers du GitHub, lorsqu'on est en train aussi d'automatiser nos tâches de construction du logiciel, eh bien là aussi on gagne du temps sur les deux aspects. L'écriture du code à plusieurs, qui permet de produire du code de meilleure qualité, l'automatisation qui permet de se concentrer sur le cœur de métier, sur ce qui crée de la valeur, sur ce qui apporte de la valeur dans une journée, eh bien on évite les tâches répétitives qui ne sont pas utiles et donc sur lesquelles on peut aller beaucoup plus vite. Et c'est cette automatisation sur laquelle on travaille de bout en bout, du moment où on commence à écrire le code jusqu'au moment où les tests peuvent se faire, jusqu'au moment où on envoie tout en production. C'est ce que GitHub permet de faire seul pour un certain nombre de fonctionnalités, mais aussi en s'intégrant avec ce que les communautés de développeurs apprécient le plus. C'est aussi l'ouverture de GitHub et sa capacité de s'intégrer avec d'autres, de choisir ce qui correspond le mieux à sa culture d'entreprise, ce qui correspond le mieux au langage de développement qu'il utilise. Et donc, c'est comme ça que la culture dans une entreprise change, et c'est ce qui permet de renforcer la qualité du code et la célérité à laquelle la vélocité, puisqu'on évoquait la vélocité tout à l'heure, la rapidité à laquelle une application est produite et mise en production, et de nouvelles versions sont produites et mises en production. Alors, dans la slide suivante, on se focalise un peu plus sur la question de la sécurité, puisque ça, c'est quelque chose qui est, pour le coup, plus récent. On a parlé d'abord de notre métier historique qui est celui d'aider les développeurs à travailler ensemble, à écrire du code ensemble, à mettre en commun. Ensuite, on a parlé de l'automatisation. Ça, ce sont des choses qu'on a commencé à mettre en place il y a quelques années. Et puis, depuis 2 ans, 18 mois, 24 mois, on commence à travailler sur et à mettre beaucoup plus de fonctionnalités et d'efforts dans notre plateforme sur les questions de sécurisation du logiciel lorsqu'on le produit. Alors, comme je disais tout à l'heure, souvent, les développeurs de logiciels
vont avoir besoin de l'aide d'ingénieurs sécurité. C'est un métier à part entière, hein. Et naturellement, toutes les entreprises n'ont pas des ingénieurs sécurité, en tout cas ne sont pas capables de mettre à côté de chaque ingénieur développement logiciel un ingénieur chargé et expert de la sécurité. Donc ce que GitHub apporte, c'est un certain nombre de fonctionnalités qui permettent d'avoir un peu de manière virtuelle, comme une sorte de binôme qui vient m'expliquer à moi, développeur, lorsque une faille potentielle a été écrite dans mon code. Et donc ça, c'est quelque chose qui est automatisé. Ça, c'est quelque chose qui nous permet donc d'améliorer la qualité du logiciel le plus en amont possible, de manière à éviter d'avoir le problème en bout de course. Et naturellement, on sait tous que, quel que soit le métier dans lequel on se trouve, si l'anomalie ou si la difficulté ou si l'obstacle est identifié le plus en amont possible, eh bien naturellement, le coût de correction est nettement inférieur. Et donc, c'est ce qui fait aussi que, eh bien, en plus de l'amélioration de la qualité du code que l'on développe, en plus de la rapidité avec laquelle on développe, eh bien, on rajoute cet aspect sécurité le plus en amont possible, ce qui permet naturellement de réduire le risque. Et c'est ce qu'on constate en général, et ce que j'indique dans la slide suivante, sur les leçons qu'on peut apprendre de tous ces gens qui ont créé de la disruption dans leur secteur d'activité. Alors, on cite des gens comme Spotify, comme Uber, comme Slack, comme Airbnb ou Netflix. Évidemment, tous sont arrivés dans des secteurs d'activité qui étaient déjà saturés. Et qu'est-ce qui a fait leur succès? Ce qui a fait leur succès, c'est qu'ils étaient capables de envoyer des versions nouvelles de leur application le plus vite possible, capables d'apprendre très vite de leurs propres échecs éventuellement ou de leurs expérimentations, de manière à pouvoir faire des itérations beaucoup plus rapides, être capables également de se concentrer sur les questions d'innovation et ce qui leur permet de se différencier de leurs concurrents. Donc, lorsque vous faites de l'automatisation, vous renforcez votre capacité à itérer vite. Lorsque vous faites de l'automatisation, vous renforcez la capacité de vos développeurs à se concentrer sur les questions qui sont vraiment innovantes et qui font la différence avec la concurrence. Et puis, naturellement, tous ces gens qui ont fait de la disruption, chacun dans son secteur d'activité, eh bien, ils se sont appuyés beaucoup sur l'open source. On en parlera un peu plus tard. Ils sont capables d'envoyer du code en production, donc de mettre à jour leurs applications à l'attention de leurs utilisateurs finaux, de leurs clients, vite, mais en toute confiance. C'est-à-dire que la question de la sécurité a été prise en compte en amont, de manière à éviter, à chaque fois qu'on envoie une version nouvelle d'une application, d'avoir peur et de se dire est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes de sécurité? Non, la sécurité est prise en compte le plus en amont possible, dès la conception du logiciel et dès l'écriture du code. Et puis évidemment, ces disrupteurs-là, ils ont aussi été capables de permettre à leurs développeurs de travailler ensemble et donc de partager leurs expériences, mais aussi éventuellement de partager leur code. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise qui a plusieurs équipes de développement, naturellement, vous n'allez pas demander à chaque équipe de développement de travailler en silo. Ils ont besoin de travailler ensemble. Mon voisin d'à côté ou mon voisin de la filiale dans un autre pays a peut-être développé quelque chose dont je peux me servir à mon tour. Eh bien, j'ai intérêt à m'en servir plutôt qu'à le développer à nouveau en partant de zéro et donc à faire payer à l'entreprise deux fois le coût d'une même fonctionnalité. Donc ça, c'est l'idée d'inner source. On essaye un peu de répliquer le concept et la culture même de l'open source à l'intérieur du firewall, à l'intérieur de l'entreprise. Là aussi, toujours dans une logique à la fois d'amélioration du code et d'amélioration des délais de développement, d'amélioration de la qualité naturellement. Et puis, ils sont tous capables à la fois d'optimiser les processus, mais aussi de prendre en compte, de mesurer leur façon d'améliorer leur processus et d'améliorer leur efficacité et la productivité de leurs développeurs, et toujours dans la logique, non pas de mettre la pression sur le développeur, mais au contraire, de le libérer de tout ce qui lui évite et tout ce qui l'empêche de se focaliser sur la créativité et là où il peut apporter le plus de valeur. Puisque le développeur veut aussi apporter de la valeur, ces hommes et ces femmes qui contribuent à la création de valeur de l'entreprise, ils ont tout intérêt à se focaliser sur les éléments qui les différencient, qui différencient leur entreprise et leur application de celle de la concurrence. Et donc, naturellement, il faut pouvoir être capable d'avoir des équipes de développement qui augmentent de manière conséquente. Le temps où c'était un seul développeur qui déployait un effort monumental tout seul est fini. Souvent, ce sont des équipes de développement qui travaillent ensemble et souvent des équipes réparties partout dans le monde. Alors, la slide suivante se focalise un peu plus sur la question d'open source. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un développeur commence à développer une application ou une fonctionnalité d'une application, eh bien, il ne part quasiment jamais d'une page blanche. Il part toujours de quelque chose d'existant. Il va s'appuyer sur
éléments, sur les composants open source existants par ailleurs, auxquels il a accès au travers de GitHub, puisque GitHub, c'est aussi la vitrine de l'open source, et c'est aussi le dépôt de l'open source. C'est-à-dire que non seulement vous voyez ce qui existe dans les communautés open source, mais en plus, vous pouvez venir vous servir. C'est aussi ça, la logique de l'open source. C'est du code source qui est d'excellente qualité, puisque les 51 millions de développeurs ont eu la possibilité de le visualiser, d'en améliorer les contenus, d'en corriger les anomalies éventuelles. Et donc, évidemment, les autres communautés open source peuvent se servir les unes de ce que les autres ont fait, et de même dans le monde de l'entreprise. L'open source, c'est aussi ça, sa caractéristique. Et donc, en général, cette chaîne d'approvisionnement, un peu comme si on était dans le monde matériel, sauf qu'on est dans le monde immatériel, cette chaîne d'approvisionnement dans le développement logiciel s'appuie toujours sur des composants open source à hauteur de 80-90% venant du monde de l'open source. Alors ça, c'est une culture, évidemment, puisque, et c'est ce que Satya Nadella dit régulièrement, GitHub, ce n'est pas juste un produit, ce n'est pas juste une plateforme, c'est une façon de, c'est un mode de vie, en fait, c'est une culture. C'est réellement une question culturelle où il faut considérer que je ne dois pas être tout seul dans mon coin à faire mon petit truc. Au contraire, je dois être avec des collègues un peu partout dans le monde, là où ils sont, prendre les meilleurs là où ils sont, en tout cas prendre ceux qui sont capables de m'aider pour faire avancer mon développement logiciel à moi. Et donc, c'est cette culture-là du partage et de la collaboration que GitHub essaye de rendre possible. Évidemment, ça l'est dans le monde de l'open source naturellement, mais aussi dans le monde de l'entreprise qui peut en tirer profit. Dans la slide suivante, on parle naturellement de cette capacité non seulement d'accéder au capital lorsqu'on crée une entreprise, et en réalité, on constate que souvent, l'accès au capital est bien plus aisé que l'accès aux bons développeurs qui sont en nombre restreint de fait, qui augmentent, mais qui sont quand même en nombre restreint. Et donc, c'est un peu ça l'idée, c'est que le rôle du développeur dans le cœur de métier de l'entreprise et dans la génération de revenus est aussi important, si ce n'est plus, que le capital en tant que tel. Et donc, un exemple d'un changement culturel qui existe, là, on a une entreprise qui a communiqué dessus, Société Générale en l'occurrence, où le PDG lui-même est allé voir comment fonctionne GitHub. Il a son propre compte GitHub. Il a travaillé avec d'autres développeurs. Ils ont collaboré ensemble sans être lui-même ingénieur en développement. Il a vraiment compris, il a voulu comprendre et il a compris les modalités de travail collaboratif des développeurs aujourd'hui. Et donc, naturellement, ça signifie que culturellement, le top management de l'entreprise prend en compte le rôle des développeurs dans la création de valeur de l'entreprise. Et puis, non seulement il le prend en compte et il leur met à disposition les études, les outils et les moyens qui leur permettent de développer et d'aller vite dans ce qu'ils ont à faire, mais il leur permet également d'avoir une marque employeur qui est attirante pour les développeurs et qui permet d'attirer les développeurs et de les retenir au sein de la société. Les développeurs, on en parle beaucoup. Souvent, on a tendance à considérer que c'est des spécialistes de la technologie. En fait, il faut garder à l'esprit que ce sont aussi des gens qui ont beaucoup de créativité, et le développement logiciel est un métier qui nécessite à la fois des compétences techniques, mais aussi des compétences en termes de créativité. Et ce que GitHub doit leur permettre, et c'est ce qu'on fait incessamment, et c'est un travail de tous les jours, c'est à la fois de pouvoir user de leur technologie, de leur capacité et de compétences techniques, mais aussi de la créativité dans la résolution de problèmes complexes où la technologie peut permettre de faire des choses qu'on ne saurait pas faire sans l'apport technologique. Donc le rôle des développeurs est extrêmement important, et comme on peut le voir dans cette dernière slide, ce que GitHub fait, il le fait à la fois en mode cloud, on va dire, disponible pour les communautés open source naturellement gratuitement, et pour les entreprises qui souhaitent vraiment offrir cette solution et cette plateforme à leurs salariés, eh bien naturellement ça existe à la fois en mode cloud. Pour ceux qui souhaitent l'avoir eux-mêmes, et ça c'est le cas souvent par exemple dans les institutions financières ou chez certains industriels, ils souhaitent avoir les serveurs chez eux, et bien ils peuvent évidemment les avoir sous forme de GitHub Enterprise Server installés chez eux ou sur le cloud privé qu'ils auront choisi. Et enfin, pour résumer un peu l'ensemble de ce que l'on vient de dire, si l'objectif est que le développeur, les équipes de développement puissent contribuer au modèle même et à la génération de valeur dans l'entreprise, au modèle économique et à la génération de valeur dans l'entreprise et l'augmentation du chiffre d'affaires, eh bien en fait, il faut que les développeurs puissent être outillés pour qu'ils puissent produire du code d'excellente qualité le plus vite possible en toute sécurité. Donc on est à la fois sur la notion de qualité du code qui va permettre d'avoir des applications les plus fiables possibles et les plus solides possibles mises entre les mains des clients de l'entreprise, mais aussi la vitesse à laquelle on met à jour ce code est extrêmement importante, puisque vous savez qu'aujourd'hui, si votre concurrent met à jour son application
deux fois plus vite que vous, naturellement, les clients vont aller plutôt chez le concurrent plutôt que chez vous. Donc là aussi, la notion de sédarité, de vélocité qu'on évoquait tout à l'heure, elle est extrêmement importante. Et puis, la sécurisation de la fiabilité d'un point de vue sécurité informatique de ce qui est, mis en œuvre et ce qui est mis entre les mains du client, et ben, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on fait au sein de GitHub au quotidien. Et donc, pour résumer, il y a une étude du Forrester qui a été faite qui permet de savoir quel est le temps qu'on gagne lorsqu'on recrute un nouveau développeur. Eh bien, le temps de onboarding, comme on dit, c'est-à-dire l'intégration du nouveau développeur dans l'équipe de développement, eh bien, c'est une réduction de 40% de ce temps de onboarding. Donc, naturellement, ça, c'est de la marge en plus. Et puis surtout, une vitesse de croisière qu'atteint le développeur le plus vite possible. De même, pour aller plus vite, globalement, ce qu'on constate une fois que le développeur est en vitesse de croisière, en moyenne, il gagne 45 minutes par jour et par développeur. Donc, si on prend en compte à la fois le nombre de développeurs qu'il peut y avoir dans une entreprise et les salaires des développeurs, on voit très vite que ces 45 minutes, eh bien, en fait, elles sont extrêmement précieuses, extrêmement utiles pour pouvoir répondre aux attentes du client final. Et on est toujours dans une logique où le développeur répond aux attentes du client final. Voilà, Chérine, ce qu'on pouvait dire en quelques minutes au sujet de GitHub et du rôle du développeur. Merci beaucoup Bassem. Nous vous laissons du coup avec cette touche finale de Bassem. On espère que la session vous a plu. Restez avec nous puisqu'il y a encore des sessions cet après-midi et également demain. Et je vous dis à très bientôt. Merci.